Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Nanik. On se retrouve pour l'épisode numéro 10 du Let's Play sur Far Cry Primal. C'est long à dire quand même. En tout cas voilà. Donc dans l'épisode précédent, on a rencontré la chasseresse. Chasseuse, je sais pas si ça se dit exactement. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me lire dans les commentaires si j'ai fait une énorme faute de français. Donc du coup on avait fait une quête pour elle qui s'appelait le Grand Élan je crois. Donc voilà elle est faite. Donc du coup maintenant on va enquiller, on va directement continuer. Alors j'ai deux petits symboles là, ça veut dire quoi les gens, compétences, alors fais voir. Ouais, compétences de chasse, donc ça on avait débloqué. Ok. J'ai combien de points là? J'ai 5 points. J'ai 5 points. Ah swing non ça. Ça c'est bon ça. Ça c'est intéressant. La santé ouais, oui, bon. Marquage ouais. Je vais attendre pour ça aussi. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Dans le village, il y a des trucs à faire apparemment. Ouais. Ah, je peux même aller du Tensay. Ça, c'est cool. Ça, c'est bon, ça. On va aller faire ça. On va aller se faire ça directement. On va se rendre au village. Le village qui est par là. Oh. Pourquoi j'arrive pas à me téléporter? Que se passe-t-il? Ça y est. Ok. Petit bug. En tout cas, voilà. Merci pour les commentaires. Ça m'a fait très plaisir dans la vidéo précédente. Ça m'a fait plaisir, parce que bon, ça me fait aussi plaisir de prendre les vidéos, donc voilà, quand c'est partagé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, on va se prendre... Quoi? Oui, d'accord. En plus, j'ai eu peur, j'ai de nouveau failli perdre ma sauvegarde, comme ça avait fait sur Far Cry 4. Parce qu'en fait, j'ai un problème de PC, j'avais fait une couille, j'avais installé un SSD dedans, et du coup, j'avais perdu une partie de ma partition. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu retrouver la sauvegarde, elle a été sauvegardée. Quelque part un endroit où ça n'a pas été supprimé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai cru que j'allais devoir tout recommencer et ça m'aurait un petit peu saoulé parce que du coup on a quand même bien avancé déjà et ça m'aurait un petit peu saoulé quand même. Enfin tout va bien, j'ai ma sauvegarde heureusement, parce que bon, ce système de cloud là quand ça marche c'est bien mais alors quand ça marche pas mais rechargez pas la bonne sauvegarde enfin bref. Donc là on se fait la petite boucle de Tensai qui va bien, j'espère que le son du jeu est pas trop fort. Normalement il l'est pas. On accepte. On accepte. Donc là il aurait une petite mission pour nous. Je sais pas ce qu'on va faire. Ah j'ai 2 points de compétence. Du coup je vais pouvoir mettre ça. Voilà. Et ensuite tu auras l'abattage. Ça c'est combien de points? 4 points. Du coup on va attendre d'avoir 4 points. Allure. On va aller voir. On va aller voir qui. Winja. J'ai encore une amélioration à faire, c'est quoi? Confection. Ah cool. La poudre se prend une fois. Ok ok, et bah écoute, c'est pas ça là qui a une quête pour nous? Non, c'est pas elle. Bon, écoute, qui est-ce qu'on pourrait aller faire? Tiens, on va aller voir le guerrier là derrière. Ça fait longtemps qu'on n'est plus allé le voir. Enfin, je crois. Donc on va aller le voir. Karoosh, Haïta, Karoosh Mogwaida, Haïhasa Guana. Le menu carte. Alors le menu carte, c'est voir. C'est où ça? Karoosh. Karoosh c'est là. Rattraper Karoosh et aider-le à vaincre son ennemi juré. Ok. Donc on va se déplacer rapidement là-bas. Alors. Hop. Allez, faut sortir d'ici d'abord, c'est peut-être mieux. Alors par où que c'est qu'on sort? Ouais c'est par là. C'est par là. Alors. J'espère qu'il est pas trop... Ouh, j'ai la lumière. Ah oui, ça va bien là-toi. Bien. Juste tout monter. Mais... Arrête de tout tour. C'est pas vrai. Attends, viens par là. Bien. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, le petit Karoosh. Alors, attends. Oh, il prend cher. Tu sais quoi? Attends, vas-y. Tigre. Ah, pas le grappin? C'est une blague. Je croyais qu'on l'avait pourtant. Ah c'est bon, je croyais que c'était un ennemi, j'ai fait ma race. Ah mais là. Regarde le tigre il tape jusqu'à devenu. Il tape le... On le laisse faire, hein, il fait ça bien. Voilà. Cool, super. Donc, on va aller se rejoindre ce petit guerrier. Alors, c'est par là. C'est par là. Il y a une route là, mais... Merde, j'ai raté la route. Oh, mais quel con. Eh ben, ça commence bien. Hein. Ça commence bien. On peut grimper là. Bien sûr que non. Évidemment, ça aurait été beaucoup trop facile. C'est bizarre parce que la route elle est un peu mal fichue hein, parce qu'elle monte par là. Ça c'est étrange ça. Ah ouais, forcément moyen de monter. Ah merde. Merde, merde, merde. Ça c'est pas cool. Ouais, j'ai envie de te dire, on va faire un petit peu le tour. Hein. On va voir si on peut passer là. Ouais, je pense qu'elle va pas passer. Ah oui. Bien sûr. J'ai la barre de froid qui descend. C'est pas top top, hein. C'est pas encore. Alors, quand même pas qu'on meure de froid, ce serait quand même un peu con. On va pas aller n'importe où là. On va pas aller n'importe où. Un ours dans le coin. On va se barrer, on va rester là. J'ai pas envie de chasser là. Alors. Ah, décidément cette map. Il n'y a que des montagnes partout. Ah cool, j'ai peur en fait. Ça pas de touche. Oh. Et bah là mon gars. Failli faire une belle chute. Elle saute, mais pourquoi tu sautes pas? Ah ça saute. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Pourquoi est-ce qu'on pourrait monter? Là on va se descendre. On va me défendre je pense. En plus je commence à avoir froid. J'ai enflammé le gourdin. Parce que là, je commence à avoir froid. Donc ça c'est pas bon. Est-ce que ça serait par là? Non, pas du tout. Oh là là, je trouve pas le chemin. T'as les gars, vous y croyez ça? Je trouve pas le chemin. C'est quand même fou ça. Punaise. Punaise. Oh. Attends, je vais ramasser 100%. C'est rare. Du coup là il y a une big montagne. Une big montagne. J'espère on part contourner. Si on l'a mis là-bas. Ah oui, excusez-moi, je me trompe de touche, c'est. Je fais n'importe quoi. Voilà. Bon ça va, j'arrive encore à peu près. Ça va. Allez, on va tous ramasser pendant qu'on est là. On ne sait pas. Je peux pas vous besoin. Un petit peu de bois, ça c'est cool. Ah attends, en parlant de bois. On va s'en faire quelques-unes. Voilà. Donc on va faire encore un petit peu de bois. Voilà. Merci copain. Ok. C'est vraiment une montagne. Ah carrément je viens enflammer le cul. Elle fait un cul en feu. Ouais, de l'argile. Ah l'argile. Il y a encore un ours. La donne on dirait qu'il est en train de détraquer. Les mecs s'en battent les steaks. Il y a un ours qui les suit mais.. Aucune pression le mec. Ah c'est oh putain, il y en a deux. Oh. Ah, cassez-vous. Ah, c'est que le tigre il les fait fuir parce qu'il est plus fort que. Du coup, il les fait fuir. Et ça, c'est plutôt cool là. Et alors. J'espère qu'on va quand même bientôt y arriver parce que c'est bien chiant. Putain, attends, on va quand même voir la carte vite fait. Pour là, on s'éloigne à mort de lui là. On s'éloigne à mort. Attendez, on va revenir au camp. Je suis à faire ça n'importe quoi. Hein, la reprise commence bien, j'ai envie de te dire. Bon, alors attends. Parce que du coup, faudrait aller de ce côté, ça veut dire. Ouais, je pense. Parce que... Ouais, il faut aller de ce côté. Il y a forcément un endroit où est-ce qu'on prend. C'est obligatoire. Sinon, on pourra pas l'atteindre. Ça, c'est pas grave. Attends, il y a un peu de bois là. Un petit peu de bois. Ouh, cool. Il y a un petit bois rare. Ça, c'est pas mal. Normalement, on devrait pouvoir s'en approcher. C'est une droite, ça. On va aller au pas. On va s'occuper d'un gourdin. On va arrêter de s'enflammer. Sur un petit tigre. Comment est-ce qu'on l'envoie? Je sais plus comment est-ce qu'on l'envoie. Faudrait que je remette la touche que j'avais. Parce qu'en fait, du coup, le jeu, comme il est rechargé, mais en fait, ça fait les touches. Du coup, j'ai plus les touches que j'avais avant. C'est pas très fort. Eh bien, gentil. Enfin, petit gradant de ça. Enfin, voilà. Allez, bouffe. Juste monter. Voilà. En fait, depuis avant, je ne monte pas, c'est un peu con. Enfin, j'ai arrêté de te dire parce que là, on commençait à faire un peu long. Je me suis dit, merde, on va jamais y arriver. Heureusement que j'ai regardé la carte parce que sinon, je serais encore. Mais pas que c'est pas vrai. Ah non, je crois que ça s'arrête là. On va pouvoir monter. Ça, c'est cool. Ah bon, on va pas s'arrêter, on n'a pas le temps pour jouer avec eux. De toute façon, on va les tracer facilement. De demander. On va descendre plus efficacement mais ça. Toi faut tout tuer avant que je fasse ça. La vache il fait mal. On soigne, Ah c'est bon, y'a personne. Parce qu'il y a un peu de... Ah oui mais je fais plus que ça. On me donne à casser là. Ah il est là-haut. T'as les mecs qui sont venus. T'es du monde. Allez. Bon, mon coup la tête bien placée. Ça va le tigre. Il est vachement résistant. Pas trop de soucis à faire pour lui pour l'instant. Il faudrait rentrer dans la grotte. C'est parti. Oh, j'ai cru que j'allais atterrir à côté. C'est qu'il est. Ok, tout là-haut. Ah non, faut pas descendre alors. Faut pas descendre. On va attendre la petite liane, je vous ai vu. Allo, yeps. Donc faut grimper. Non, c'est pas grave. Comme te soigner, on sait jamais. On a besoin de toi. À un moment donné, puis qu'on se soit surprendre par l'ennemi, on sait pas trop. On sait pas. Dans la grotte de Meaux. Allo, faut quand même rentrer en fait. Oh, j'ai failli faire n'importe quoi là, les gars. Mais comment est-ce qu'on y rentre dans la grotte de l'eau? J'étais sûr que c'est par la, flotte. J'étais sûr que c'était par ici. Quelques petits problèmes d'orientation. Allez, là-dessus. Bon, bah écoutez, je ne sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Allez, voilà le grappin. Pourquoi il me le proposait pas avant? Ok. ça m'a évité tout un tas de déboires. Je me suis dit quand j'aurais déjà, c'est pas possible. C'était impossible ce qu'on... Du coup. Et voilà, on y rentre dans la grotte là. Il faudra que j'augmente ma sensibilité aussi parce qu'elle est vraiment faible. Ah voilà. C'est ignoble. C'est vraiment hyper brutal. Vachement sanglant, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé à moitié mort, on l'a retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Donner des feuilles vertes à Karoosh. Ah, mais j'en ai déjà des feuilles vertes. Ok. Ah, si, j'en ai déjà. Bon, bah, il faut les deux quitter à la droite. Concrètement, on va se prendre ça et on va se prendre le quitter. On va faire le masque. Magnifique. L'arc est vraiment très puissant. Quand on sait le... Quand on sait shooter avec. Je leur casse les masques à chaque fois. C'est pas mal, on y arrive là. Assez facilement d'ailleurs. C'est difficile. Shaja, Makshanchi, Nuta, Taka, Karoosh, Kwaifadahata, Masbrashtar, Shrash. Avec sa muse, il se frappe dessus. Ok, cool. On a fait sympa la quête. Enfin, j'ai bien aimé, c'était sympa. Alors, on se trouve au village, ouais. Ok. Lui va se taper au village, quoi. Sans aucun respect. Et pour terminer la victoire, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire maintenant? Ah, déjà, il nous reste combien de temps d'épisode? Ouais, ok. À peu près 10 minutes. À peu près. À peu près. Moi, je propose qu'on aille se faire ça. Là. Un petit avant-poste. Pour rester un peu chaud. Alors, attends, je sais pas si on peut... Ouais. Faut soigner d'abord. Ça me semblait. Et normalement, après, on peut le monter. Voilà. Ça, c'est... Allez, hop. On va aller descendre de là. On peut descendre pendant un gros barbare, il n'y a pas de problème. Et on va aller par là. On va aller faire cette petite avant-poste avant de se laisser, je pense, parce que ça fait un peu tôt quand même pour se laisser, c'est un peu court comme vidéo. C'est un peu court, enfin après... ça vous dérangerait que ce soit plus court ou pas. Moi je trouve que 30 minutes c'est bien, c'est pas trop long, c'est pas trop court, parce que un quart d'heure de vidéo c'est un peu court, et maintenant que YouTube nous permet de faire des vidéos de plus longtemps sans trop de problèmes, c'est aussi beaucoup plus simple. Alors attends, il y a un autre truc là qui approche, qu'est-ce que c'est? Le chef... Ah tiens, ça c'est intéressant ça. C'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu, vous avez plusieurs... vous allez vers un endroit et... ben, il y a des petites mini-quêtes comme ça qui se débloquent. Ah bah attendez, c'est que des... Bon bah. Allez. C'est bien. Merci, au revoir. Événement Ouija. Voilà, c'est ça, des événements Ouija. Faut que je te soigne, tu déconnes. T'as perdu un pixel de vie. Ouais, en même temps c'est réaliste, hein. On ne peut pas monter une bête si elle était à moitié morte, mais bon. Avec un pixel de vie en moins, je suis pas persuadé. Ça change quelque chose. Enfin, bon. Alors attends, parce que là du coup il y a une montagne. On va passer par là. On va passer par là. Pas mourir toi? Ah, je veux sa peau. Ah, je vais soigner parce qu'elle a pris ta flèche. Allez, tiens, on va te dépêcher. Voilà, et on va. Il fallait qu'on se réchauffe quelque part parce que là on commence à avoir froid. Ça c'est pas cool. 200 mètres du camp, mais j'ai peur qu'on meure de froid. Alors tant pis, on se prend des balles. C'est l'astuce quand il n'y a pas de feu de camp à proximité. Je flammer le fourdin et normalement ça va. Alors, est-ce qu'on peut tirer avant qu'on monte là? On va pouvoir normalement. Allez, c'est parti, ça quand même. Le rapport est toujours un petit peu bugué, on part un peu dans tous les sens, mais c'est pas très grave. Pas très grave. Que quelques mètres du camp. Attention là on y est. Alors attention. Alors, par contre je sais pas si je peux rappeler. Non, j'ai un lion. Je vais prendre lui pour les avant-postes. Parce qu'en fait il marque les ennemis à proximité comme c'était écrit tout à l'heure. Mais les marque. Ah c'est une grotte en fait. C'est une grotte. Faut descendre. Ah, okay. Là vous voyez on est au-dessus puis on marque tous les ennemis. Par exemple. On va rester là-haut parce que de toute façon. Oh, je commence à vraiment faire très froid là. On va essayer de se réchauffer un petit peu. S'il n'y a pas de feu de camp, est-ce qu'on pourrait se réchauffer? Donc c'est pas. C'est pas cool ça. Ah si là. J'ai pas l'exécution par abattage en plus. Là, tu as une petite flèche. Par contre la bête là. Voilà. On peut pas l'attaquer. Ah attends, ici j'enflamme. Flèche. T'es un truc con. Ah, il a pas boulé non. Énorme. Par contre là. Le froid. J'ai n'importe quoi, je panique. Voilà. Non, parce que là, on a fait mon... On voit que c'est fou là, parce que c'est vraiment pas facile. Putain, il est toujours pas mort lui. Parce que si je suis dans ça, peut-être. Hop, 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 hop. Ça me gave et tout. Bien. Ils sont pas brûlés, ils sont en train de brûler. Y'a tout qui crame. Oh merde. Oh bah non, il manque une flèche. Oh, une saga dessus. Oh là, je vais mourir. Je vais rester. Je fais pas plus attention que ça. Si je fais attention, ça peut le faire. Il y a un gros carré. Ah, c'est compliqué là. Oh! Oh, c'est hyper difficile. Putain, j'ai récupéré des flèches. Plus évidemment, j'ai plus de bois. Putain, plus je dois rentrer. Charles, toi. Oh, c'est pas glorieux ça. C'est pas glorieux ça. Oh ouais, je crois que j'ai esquivé un truc là. Ah mais je suis con. Attends. Allez viens. Fouille un peu les autres. Il y a une cachette là. Allez, vas-y. Ça va être vitré. On quitte le lit. Voilà, là. Ça, c'est un bouclier. Ok. On l'a eu. Ah ouais, j'étais pas sombre. J'aurais de toute façon eu du mal à le faire en discrétion. J'aurais eu un peu de mal, j'ai eu du mal tout court. Enfin voilà, sur cette victoire. Parce qu'on se laissait sur une défaite, c'est toujours un peu con. Toujours un peu con. Ouais, c'est une cachette ça, en fait. C'est moi qui ai rien compris. Il y a peu de bois là, il n'y a pas assez de bois. Il n'y a pas ce truc là. Ok, le toujours plus. Ok, super. Nouvelle population, plus de monde égale plus de bénéfices, je crois. Où c'est comme ça que je le fais ? C'est où le qu'on voit le village? Je connais plus le raccourci. Je connais plus le raccourci. Bon, alors village. Voilà. C'est où qu'on voit les améliorations. Voilà, c'est là. Donc, 3 sacs de ressources et d'armes, de nourriture sont envoyés à votre cage de récompense chaque jour. Ça, c'est bien. Et après, bonus de 2% d'XP tous les 10 membres de la tribu secourue. Ouh, c'est pas mal. À partir de 70, ça commence à être vraiment intéressant. Déjà 60, c'est bien. Et après 70, c'est encore mieux. Bah écoutez, voilà, je vous propose qu'on se laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous plaît toujours. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, j'y répondrai. Dès que je peux, j'y réponds en général, hein, j'y réponds assez vite. Donc voilà, si vous avez des petites suggestions, pareil, hein, laissez-moi en commentaire, je le lirai. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!